Sirop tiramisu, mien 300 g de sucre, 150 g de miel et 500 g de l'eau. Et maintenant, c'est mettre le ballon. Il est là, c'est allumé. Le ballon. Voilà, allumé, il est là. C'est tombé. Et maintenant, c'est mettre, il faut se mettre. C'est mettre. Voilà, c'est sirop. Maintenant, c'est mettre combien? Premier des sucres, 300 g de sucre. Voilà, ça de sucre, c'est mettre 300 g. 300 g, 300 g. Voilà, 300 g de sucre. Même deux, c'est pas grave. 300 g de sucre. Et mettre 150 g de miel. Il faut mettre sirop de beau. Voilà, là, là. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est mettre 150 grammes de miel. Voilà, 150 grammes de miel. Un peu, c'est pas grave. Et maintenant, c'est mettre. Voilà, c'est à zéro. Voilà. 500 grammes de l'eau chaude. De très chaud, de que dalle. Cinq cents grammes. Voilà. Pas mélanger avec une fouille. Voilà. Lancer comme ça. Là, là. Là, pour les. Sirop tiramisu, on peut faire pour tiramisu frais ou tiramisu café, pas de tiramisu classique là. Oui. Là, ça fait combien là? Ça fait 14 ans depuis que j'ai sorti de restaurant bistro-roman à Bordeaux. Et maintenant, je recommence à faire pour manger à la maison. Après, pour tromper les cuits là, les gâteaux là. Nous n'en mettons. Voilà, fait comme ça. C'est pas sirop tiramisu. Après, on fait tiramisu après. Voilà, comme ça, on est après. Voilà, c'est pas sirop tiramisu. Voilà, recette de bistro roman. Depuis combien là? Depuis 14 ans, tu travailles là-bas. Au revoir. Après, regardez les comment faire des tiramisu.